pour une balade un peu particulière dans le brouillard un peu. Je vais aller chercher la coccinelle du côté de Thiers. Donc je pars en vélo, j'ai pris le vélo de voyage car je transporte le porte-bagages, ce que je pouvais pas faire avec le vélo de course, pardon, un sac à dos, mais il fait 4,5 kg, je voulais pas trop m'embêter, c'est un porte-bagages avant tout. Donc voilà, pour le moment c'est tranquille. Donc j'ai mis en mode gravel, j'ai prévu d'arriver vers 14h, donc j'ai prévu de la marche. Je vais certainement faire des détours, même pour visiter, pour arriver un peu plus tard. Allez, à plus tard. Petit chemin. Pas bien loin de chez moi, j'ai parcouru plus de 3 km, un peu plus. Pas mal de petits cailloux, mais bon, ça va. J'ai déjà fait un petit détour dès le début. Très sympathique, hein. Il fait un petit peu frais, mais ça va, un peu humide. Heureusement que j'ai mis le K-Web pour le moment. Le coup de vent. Erreur, j'ai oublié de recharger mon portable, alors je prends la power bank dès le matin. Bon, ça va, je vais pas trop loin. Et environ un peu plus de 50 km. Ah bah, je crois plutôt. Bah voilà, tout va bien. Là, ça monte. Ça monte pas mal là. À mon avis, je dois être boire un petit coup. Fait du bien. Là, je suis à 5%, mais à mon avis, ça va vite mon 6. Là, je pense que je suis à 8 ou 9, là. Ça fait bientôt une demi-heure que je suis parti. Franchement, c'est... ça va. Il fait pas froid. Au début, un tout petit peu aux mains, mais... ça va de mieux en mieux. Un peu de brume, par contre. J'ai le Kawai qui est très humide, mais c'est pas grave. Même les lunettes, j'ai de la brume dessus. Là je suis à 8%. C'est bien. Vaut mieux commencer par des montées quand il fait un peu frais. Ça permet de vite se chauffer plutôt que de commencer par une descente et avoir très froid. Donc j'aime bien les montées en réalité. J'aime tout dans le vélo, les montées, les descentes. Tout est bon.
mis sur le bas côté. Et deuxième que je croise. Voilà, une heure que je suis parti. J'ai fait 13 km. Le brouillard s'est levé. Maintenant il fait très très beau. À ma droite il y a un petit ruisseau que j'entends couler. De temps en temps j'entends un oiseau. Là ça monte un peu, hein, 5%. Pour le moment 225 mètres de dénivelé positif et 137 de négatif. Voilà, pas trop de circulation. Une voiture de temps en temps. Un tracteur. On profite. Bientôt 1h40. Je suis à Billon. Il me reste encore 32 km. Il est bientôt 11h. Il est toujours aussi beau. Tout va bien. Deux heures que je roule, je prends un petit chemin là. Donc j'ai bientôt fait 28 km. Là je profite du paysage. J'avance doucement, un peu moins de 14 km/h. Moment dénivelé, ça n'a pas trop bougé, 444 de montée, 437 de descente. Là, ben là ça va bien descendre. Là. Pas mal de petits cailloux. Hop. On va y aller doucement. Avec les bagages, je préfère pas aller trop vite. Et en plus, on profite du paysage, hein, si on va trop vite, on en profite pas. J'ai dormi chez mon copain et puis je ne pouvais pas mettre l'allumette, je vais mon réchaud. Enfin, c'était ma première, il faut que je m'organise un petit peu mieux. Donc là, j'ai décidé de me prendre un petit sandwich sur la route, j'ai trouvé une boulangerie, parce que là, bon, non, bon, c'est mal barré, hein, mais bon, j'ai pas faim du tout. Hein. Là, ça va monter devant. Maintenant et bientôt, c'est la fin des petits cailloux. Corbeau. Tout à l'heure, dommage, j'avais pas ma GoPro, j'ai vu une belle buse qui a volé
quelques mètres devant moi. J'ai enlevé ma veste. Il y a longtemps que j'ai enlevé le kawaii. J'ai fait l'erreur de l'enlever juste avant une bonne descente. D'ailleurs, j'ai un petit peu froid dans la descente. J'ai enlevé les gants. J'ai enlevé un des deux bonnets. Non, les deux bonnets même. J'ai enlevé un des tours de cou. J'en avais deux. On va avoir une belle vue bientôt. Idéal. Pas de vent. Voilà, petite pause sans luc avec un flan, une petite boisson. Dans un petit village que je connais pas, plutôt mignon. Avec un château. Si on va le voir
au fond là-bas. Voilà, et l'heure de manger et reprendre des forces. Le petit vélo, un petit peu sale. J'ai enlevé le garde-boue avant et le porte-bagages car je vais chercher la coccinelle et j'ai un porte-bagages ventouse. Donc je peux pas l'utiliser avec le porte-bagages quoi. Et ni avec le garde-boue. Allez, à table. Bon, et ben j'ai tout juste de finir de manger. Je reprends la route et j'attaque par une montée avec les 9%, mais ça va augmenter je pense. 10%. Ah, je verrai 14 celle-là. Tout de suite après un repas. J'aurais préféré commencer par du plat. 16%. Wow. Et ben. Ah, ça va aller un peu mieux là. Je pensais. Ça monte 17%. Ça continue. Du coup, je monte à 4 km/h. Là, je suis à 15. 16 à nouveau. Là, la vue est magnifique. Vous pouvez pas la voir, mais derrière le mur en pierre, sur la gauche, c'est magnifique. Je vois toute la chaîne des volcans. Et ben ça monte toujours un peu mieux, un peu plus facilement là. Belle maison en pierre. Pas mal de rhumes. Beau petit paysage. Désolé pour la... Ah, là je vais où là? Ah, j'ai l'impression de aller tout droit. Non, non, c'est par là. Doute, il y a trois chemins là, je pense que c'est pas le bon. Non, c'est pas bon ça. Faut que j'aille, ce qui me semblait, faut que j'aille dans la forêt. Thank you.
passer par là finalement. Donc il me reste 21 km à parcourir environ. J'en ai fait 35. Le parcours n'est pas trop difficile. Bien chaud. Une belle couleur d'automne. Un petit peu d'ombre, ça va faire du bien. En vélo, on a vite chaud. Eh bien, un vélo voyage, c'est que on peut mouliner. Là, on mouline. On se met jamais en danseuse. Tout le temps assis et on mouline. Rien ne nous arrête pratiquement. Et le cœur, il monte pas trop haut. Là, je suis à 155. Alors qu'avec le vélo, pour une côte à 10%, avec le vélo de course, très facilement une côte à 10% à 175-180, mais ça va plus vite, on peut pas tout avoir hein. Là je suis à 160, ça monte doucement, 444 mètres d'altitude. J'ai 585 d'ascension depuis le début, 595 de descente. Donc très équilibré hein, sur 35 km. Ah, c'est vraiment beau. J'ai même pas envie, de couper la caméra. Moi je vois ça. Là, on va regarder un petit paquet de feuilles mortes. C'est vraiment joli. Hein. C'est pas beau ça. Là, c'est... passer ici, hop là, on va se mettre en quatrième rapport, voilà, un petit peu mieux là, allez, je vais couper.
Voilà, je reprends la route. Après avoir fait un petit peu de muse avec le drone, c'est mon deuxième vol. Le premier était chez mon copain. Donc c'est pas évident à avoir en main. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus facile. Hein. Mais là, je suis content, j'ai réussi à... Je pense avoir fait une belle petite vidéo pour la deuxième utilisation. Je pourrais que m'améliorer. Donc là, je reprends la route. Il est 1h moins 10. Ça fait bientôt 3h que je pédale ou que je mouline plutôt, on va dire. 35 km. Voilà, tout va bien. Hein. Là, il fait un petit peu frais sous les arbres, mais ça va. Franchement, je me régale. C'est du bonheur le vélo. Hein. Si vous en faites pas, faites-en. Hein. Voilà. Ça change, ça, c'est formidable. Hein. C'est vraiment la liberté. On fait des chemins. Je passe par des endroits à côté de chez moi que je connaissais même pas. On va dire qu'en voiture, c'est complètement différent. Et surtout, on peut aller partout, on s'arrête où on veut. Quand on est en ville, ben, on cherche pas de place. Hop, on met la béquille, hop, et on va acheter la baguette. Ah, ça c'est top. Hein. Ouais, comme c'est beau. Voilà, donc, là, il doit me rester combien? Il me reste encore 20 km à faire. Alors, je voulais arriver à 14h, mais bon, vu que je prends un peu mon temps. Je vais arriver un peu plus tard, je vais arriver plutôt vers 15h, mais bon, j'ai dit dans l'après-midi, hein, donc ça va, mais après, bon, j'ai marqué sur la boutique que je m'ouvrais vers 4h30, donc j'aimerais bien être là. Déjà, je l'ai fermé lundi et mardi pour ma balade. Si je m'écoutais, je ferais que ça, les balades. Allez, on va continuer à pédaler gentiment. Voilà, je reprends la route. Après avoir fait un petit peu de muse avec le drone, c'est mon deuxième vol. Le premier était chez mon copain. Donc c'est pas évident à avoir en main. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus facile. Hein. Mais là, je suis content, j'ai réussi à... Je pense avoir fait une belle petite vidéo pour la deuxième utilisation. Je pourrais que m'améliorer. Donc là, je reprends la route. Il est 1h moins 10. Ça fait bientôt 3h que je pédale ou que je mouline plutôt, on va dire. 35 km. Voilà, tout va bien. Hein. Là, il fait un petit peu frais sous les arbres, mais ça va. Franchement, je me régale. Hein. C'est du bonheur le vélo. Hein. Si vous en faites pas, faites-en. Hein. Voilà. Ça change. C'est formidable. Hein. C'est vraiment la liberté. On fait des chemins. Je passe par des endroits à côté de chez moi que je connaissais même pas. On va dire qu'en voiture, c'est complètement différent. Et surtout, on peut aller partout, on s'arrête où on veut. Quand on est en ville, ben, on cherche pas de place. Hein. Hop, on met la béquille, hop, et on va acheter la baguette. Ah, ça c'est top. Hein. Ouais, comme c'est beau. Hein. Voilà, donc là il doit me rester combien? Il me reste encore 20 km à faire. Alors, je voulais arriver à 14h, mais bon, vu que je prends un peu mon temps, je vais arriver un peu plus tard. Je vais arriver plutôt vers 15h, mais bon, j'ai dit dans l'après-midi, hein, donc ça va, mais après, bon, j'ai marqué sur la boutique que je m'ouvrais vers 4h30, donc j'aimerais bien être là. Déjà, je l'ai fermé lundi et mardi pour ma balade. Si je m'écoutais, je ferais que ça, les balades. Allez, on va continuer à pédaler gentiment. Bon, il me reste moins de 10 km avant de retrouver la petite coccinelle.
mobilisé. Et j'aurais dû le faire avant, parce que le problème c'est que j'ai filmé que mon petit compteur, mes mains, j'ai rien de la route quoi. Écoutez, j'avais fait 200 km et les vidéos sont même pas exploitables. J'aurais dû faire un essai avant. Alors du coup j'ai préféré reprendre mon support guidon. Bon là il est un peu dérangé par le porte-carte, mais lundi le problème sera réglé. Voilà. De retour sur un petit chemin. Trop vite, il n'y a pas de garde-boue avant. Tranquillement faire sécher les roues. Ah, les petits graviers, c'est très bien. Tu vois rien. Ah, c'est pas tout neuf ça. Alors, par où je vais moi? Je crois que c'est plus ça. Par là. Ah, c'est par là. Bah, je suis content, j'ai vu une vieille voiture. Aucune idée de ce que c'était. Alors, là on tourne à droite, on reprend le bitume. Allez. Il me reste moins de 6 km. De beaux chevaux. Bonjour. Voilà, je suis presque arrivé. Le final est dur. Hein. Là, j'ai une côte à 7-8%. Il me reste 400 mètres à faire. Donc je suis parti il y a environ 5 heures, j'ai roulé 4 heures, donc là j'en suis à 55 km, et je suis à 785 mètres de montée, peut-être atteindre les 800 peut-être, et je suis à 860 actuellement de dénivelé négatif et je me trouve à 378 mètres, mon cœur bat à 150. Alors ma moyenne aurait été d'un peu plus de 13 km/h avec le vélo de voyage. C'est bien étonnant. Non, je suis pas très très chargé. Hein. Je dois avoir dans mon sacoche, j'en ai qu'une sacoche à l'arrière. Il y a le porte-bagage avant tout, ce qui fait 4,5 kg, plus les vêtements que j'ai emmenés, que j'avais sur moi petit à petit, que j'ai enlevé. Je sais pas, il y a peut-être 500 grammes de vêtements, aucune idée.
plus bah, c'est tout hein. Ah puis la petite le drone un peu, avec tous les équipements, la valise, ça fait un peu plus d'un kilo quand même. Donc avoir 6-7 kilos dans la sacoche gauche. J'ai rien mis dans, comme j'ai pas pris la droite. Mon vélo est peut-être pas très bien équilibré, mais bon. J'ai pour un petit parcours, ça va aller. Alors je l'ai mis à gauche, je me suis dit comme ça pour les voitures. Donc, elles verront un peu mieux le côté gauche, elles prendront peut-être un peu plus d'écart. Les voitures ont été très correctes, il n'y en a aucune qui m'a frôlé. Il y en a qui ont attendu gentiment pour me doubler, avoir une visibilité, attendre que la voiture d'en face soit passée. Dans ce cas-là, ben, je les remercie et je m'excuse auprès de tous ceux que je fais ralentir. Hein. Je sais que c'est pas marrant de passer de 50, 70, voire 80 à 15 km/h. Ah, voilà, j'arrive. Je reconnais la maison. Ta-ta-ta-ta. Eh oui. Ta-ta-ta. Ah ça va, j'arrive direct dessus. Je pensais pas que ce soit aussi facile. Ta-ta-ta. Que c'est beau.